Comme il l'avait fait après les attentats de Paris, le groupe État islamique a revendiqué dans une vidéo les attaques de Bruxelles. Deux djihadistes belges qualifient les événements de très bonnes nouvelles avant de menacer en français et en arabe les Occidentaux d'autres horreurs. Ils garantissent pour la première fois la paix contre l'arrêt des bombardements. Cet homme arrêté en possession d'objets suspects, probablement des explosifs, est l'une des trois personnes interpellées ce vendredi à Bruxelles. Des opérations policières en lien avec l'arrestation jeudi près de Paris d'un Français Reda Cricket soupçonné de préparer d'autres attentats. La cellule responsable des attaques de Paris et de Bruxelles est en voie d'être anéantie selon François Hollande. L'artificier des deux commandos était le même, a confirmé le parquet fédéral belge. Il était l'un des kamikazes de l'aéroport de Zaventem. Les Bruxellois se sont recueillis vendredi soir, place de la Bourse, alors que le travail d'identification des victimes se poursuit. Les décès de ressortissants de 11 nationalités, dont des Américains, un Chinois et un Français, ont été confirmés.